Bonjour les enfants, comme je vous ai promis qu'on va se revoir encore une fois avec une nouvelle activité. J'espère que vous allez bien, que vous êtes chez vous, bien avec maman et papa. Surtout, restez avec maman et papa, restez à la maison. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais vous proposer quelques activités que vous pouvez faire à la maison et avec des trucs qu'on peut trouver à la maison, avec du papier carton. On peut faire plein de choses. Alors aujourd'hui, je vous propose une activité très facile. C'est une chenille en carton ou en feuille, bien sûr, que vous pouvez utiliser comme décoration chez vous à la maison, dans la chambre à coucher, sur votre bureau, comme ça par exemple. Et pourquoi pas? Alors, déjà, pour qu'on commence notre atelier, je vais vous présenter le matériel qu'on aura besoin. Et voilà les enfants pour notre atelier de chenille. Aujourd'hui, on va en avoir besoin de quelques matériels. On aura besoin bien sûr du papier carton en couleur ou en blanc. Si vous n'avez pas de papier couleur en carton, vous pouvez utiliser que du papier normal. Cette activité-là, on peut le faire avec du papier carton ou avec du papier blanc normal que vous trouvez chez vous bien sûr. Alors, pour cette activité là, je vais utiliser le papier carton. Comme vous voyez, j'ai un bout de papier carton couleur. J'en ai choisi la couleur bleue et du gris. Là, je vais couper, prendre les dimensions. Le bas, on va faire 7 cm. La largeur, bien sûr, 7 cm. Et pour la longueur, on va faire 24 cm. Ça nous fait un bout comme ça, les enfants. On va en faire plusieurs, même si vous pouvez faire en couleur, comme je vous ai dit, ou sinon en couleur neutre blanc. Attention, là on va couper nos petits bouts. Voilà, on va prendre les mesures avec le bout que j'ai déjà commencé. Voilà. Et on en fait 6 ou 7. Même vous pouvez faire plus si vous en avez assez de feuilles à la maison. Et voilà, là on va couper nos bouts. N'oubliez pas les enfants, ça vous fait 7 cm et 23 sur la longueur. Et voilà, ça nous fait des bouts comme ça. Là, si on a fini, on prend le bout et on essaie de le fermer avec de la colle. On en met un petit peu ici, sur le côté. Et on ferme. Et on laisse sur le côté. Juste on le tient un petit peu, puisque le papier est un peu dur. On le tient un petit peu avec nos doigts. Comme ça, c'est bien collé. On va le coller dedans et on fera la même chose. On met la colle pour le fermer. Voilà, on tient un petit peu avec le
on va faire la même chose, ainsi de suite, les autres morceaux. On va faire rentrer l'autre dans l'autre couleur et jusqu'à ce qu'on finisse notre chenille. Et voilà les enfants, si vous avez fini de croiser les deux rangs entre eux, ça nous donne une chenille comme ça. Elle n'est pas encore finie. Là, ce qu'on va faire les enfants, on va mettre les yeux, les oreilles et bien sûr la petite queue et la décorer comme il faut. Attention, là on va commencer par les yeux. Les yeux, vous pouvez les mettre si vous voulez. Vous pouvez mettre des yeux avec un feutre tout simplement. Sinon, si vous en avez des yeux comme ça, on peut acheter bien sûr. Et voilà, ça nous fait des petits yeux comme ça. Sinon, comme je vous ai dit, si c'est pas disponible, on peut trouver une autre solution plus facile, bien sûr, c'est de le faire avec la main. Et pour le nez et la bouche, on va le faire aussi avec de la peinture. Moi je vais utiliser le noir. Et voilà, sans oublier aussi de faire les oreilles. Pour les oreilles, on va prendre un petit bout de papier. On va couper un morceau. Un peu grand. On va couper des petits morceaux. La même mesure, on va juste plier un petit peu le papier en haut, comme ça, ça nous donne cette forme un peu. Et on va faire la même chose pour l'autre côté. On va plier trois plis. Voilà. Et après, on va l'ouvrir. Comme ça, ça nous donne une forme un peu ronde en haut. Voilà, et on va les coller. On va coller l'autre bout. Voilà, notre deuxième oreille de chenille. Attention, là on va faire la queue. On va prendre un petit morceau un peu plus long. Voilà, un peu plus long. Et on va plier aussi. On va faire plusieurs jusqu'à ce qu'on finisse. Jusqu'à la fin. On peut plier de l'autre côté aussi, faire un côté sur la droite et sur la gauche jusqu'à ce qu'on finisse. Voilà, et après on ouvre et ça nous donne cette forme pour coller notre queue de chenille.
et on passera pour notre décoration. On va décorer. À la maison, on peut trouver du coton, par exemple. On peut décorer avec notre chenille. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre... Si on ne trouve pas du coton à la maison, les enfants, on peut utiliser la batte. Moi, je l'ai pris dans une oreiller, hein, pour ne pas vous mentir. Comme ça, ça fait des petites boules en blanc. Et qu'on peut décorer avec notre chenille. Voilà, on mettra la colle. Et encore. On en met plusieurs. De différents endroits. Mon petit point. On rajoute quoi? La colle. Voilà, sur les côtés aussi, on peut en mettre. On peut aussi rajouter des paillettes si vous voulez, pour faire plus joli et que ça brille. Et voilà, on va finir ce côté. Vous pouvez mettre simplement que des petites comme ça, que alors que vous pouvez aussi en mettre plusieurs. Vous pouvez mettre plusieurs. Et voilà, mes amis, les enfants, j'espère que notre chenille, ça vous a plu. Et ça vous fera une petite décoration sur votre bureau ou votre chambre. Et voilà, et pour cela, je vous souhaite une très bonne journée, les enfants, et on se retrouve bientôt. Au revoir.